Coucou, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Sarah Tola, pas la coach parce que tout en est là, on a classé, mais au moins nous avons y a possibilité quand même maïle, y a pour transmettre et valider, y a pour transmettre et puis des comme sous ma formation ou peut-être va ignorant ou ignorante nayango. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci na batunyos tout balingaka vraiment émission na biso ya formation. Alors un grand merci à vous aussi mes abonnés. Partagez déjà cette émission, likez, commentez, envoyez vos questions. Alors avant de commencer, j'allais aussi vous informer que la coach Sarah Tola va débuter encore une deuxième fois la classe de formation. Comment devenir un homme entrepreneur ou une femme entrepreneur? Voilà, il y a mon numéro en barre de l'écran. Tu peux me contacter en privé et on va toujours en parler. Il y a aussi la formation en privé. Donc, la formation, ça n'a Aligné na na Zoom témoin, au PCK formation yémo qu'on a privé. Alors c'est facile, juste appelle-moi. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui on va continuer le numéro 2, deuxième point de notre formation toujours. Et comment faire une business ou un business rentable de 100 dollars? Est-ce que Moutakouki peut se retrouver dans un business à 100 dollars? Oui. L'autre fois, tu parlais que sur 4 business, Moutakou, ça, là, a 100 dollars et 100 000 francs. Et les autres, tu es sous 4 business, Moutakouki s'est retrouvé. Et qui peut être rentable à 100 dollars. Voilà le 4 business rentables à partir des 100 dollars. Premier business. Avant tout d'abord, Naeb Sarabino met fois, il faut avoir une page Facebook. Il faut qu'on ait une boutique en ligne. Devenir une femme ou un homme commerçant. Devenir une entrepreneur ou un entrepreneur. Il faut qu'on ait une boutique en ligne. Nakilelo, il faut qu'on ait toujours une boutique en ligne. Et ça vraiment important pour informer batu que na komi kote ka lipa na komi kote ka mungwa na komi kote ka masango na komi kote ka madesu c'est grâce ya réseaux sociaux. Alors yom tozo talanga soko ebinde ba créer a page te la coach Sarah Tola za disponible à koko créer le page à koko créer le boutique en ligne une fois rara soko zui numéro isa na barre d'écran pour contacter Bissot Toko Sungayo. Voilà, parlons de 4 business rentables avec 100 dollars. Le premier business, le revendeur de poulet. Le revendeur de poulet, Batumsuba Mona, ah, revendeur de poulet. Revendeur de poulet Sundeni. Oui, le revendeur de poulet. D'ailleurs, laisse-moi vous le dire car c'est très important la famille. Si vous voulez réussir dans le business, si vous voulez réussir dans le business, il y a 4 principes pour réussir dans le business. Il faut enlever la peur. Il faut enlever la honte. Sony. La honte, kobanga la peur, kolula l'envie, la paresse, ba business, ba makambwana 4, et ça la ke moutou, avancer te na business. Ato linga ki ozwa ki ide na obye, ah na ba nerote ka makala. Tant au bani ko bando raisonner eh na quartier ba bano mona na komo te kamakala au bangi. Et ça très important. Pour réussir na business, il faut le mola soni.
Il n'y a pas de saut métier. Boya soni. Boya kobanga. Boya bolembu. Bolembu. Longola ba titre académique. Pour réussir na business. Mana licencié. Eh, bela ba diplôme na nangona ki te kabasoso. Longola ba diplôme. Longola soni. Va travailler. Voilà. Les revendeurs de poulet. Oh, comment revendeur à ba poulet de ni bat ba commune à ba commentaire. C'est simple. Tous en a ba ferme. Ah, on a Njili. Nanjili brasserie. Naki nansele. Na malouku. On a de fermes partout. Kende comment on a ba fermier. Solo la na bango. Bango kuna bazara na ba prix moko abordable. O ba peke la rabatu ba soso. Ok, solo lina bango ba soso te benga ba soso mitakala. Yosko okomi na yo, revendeur nango. Ok, osombi ba soso na wana pri de go. Mwende biso zara ya mwa, soso mitakala ba ote kelo na so keneti na... Par exemple, so neti na ke la vivre frais. Ba vivre frais na biso ka ya ba cité. Na memina ti, 10,000 francs. Na kozo wa 2 poulets, ya 5,000, 5,000 ya moyenne. Na kozo wa pe, 2 poulets manko, il y a 6,000 francs, il y a mon nez, makasi. Alors, si vous avez déjà calculé que na vivre frais, vous avez déjà calculé mon con à 5,000 francs. Ce que vous avez pas de fermier, vous avez pris des prix de go, et si vous avez que vous avez pris des revendeurs. Vous avez pris des poulets à 3,000 francs. Vous avez pris des poulets à 2,500. Alors, si vous avez 100 dollars, tu peux facilement côté revendre basoso. Batu nyansu tu balia a soso. Na banda ku nyansu tu tolia a soso. Yom tozolo bake na na 100 dollars na omu na musala o salate. Musala yangoyo. Revendeur de poulet. Ok omu na nana ba fermi. Osoli na bango. Oche 80 dollars na osomi ba poulet na yo. 20 dollars na wana. Ok osomi le yango ba emballage. Ok omu na ba... Ba graphiste, ba sale le moins logo na yo, Sarah Tola, Soso Sarah, Soso Laetitia, Soso Pamela, ba sale yo ba mbalage na yo ya kitoko, oye na mon quartier, tellement zape na ba, ou sale yi page, na lo bien ou bien, pose à la entrepreneur, il faut na page Facebook, page professionnelle ya koteka. Et puis na page wana ko yo, komela biso non complet na ote. Comment attaquer spécialiste de poulet ou bien revendeur de poulet ou bien au tchelo au moro ya musalo ils ont concordé na musalo lingo sala ba au tchate longa soso au tché soso na profil eza musalo yozo lingo sala au teka ba soso au kanyata photo ya ba soso na kati ba ya ferme donc yo teka ba soso au sara livraison à domicile au préciser livraison à domicile au luki pe coin moro boyote kaka. So pour les motés car non car les voisins de domicile au tchèque basso sont en wana nanda ku pib kake belé aux obois kaka ke belé na page na yo et en même temps l'information c'est très important dans le business ya on a baki sonye longwa so qui sonye longwe au kobota courage au bandit ko tambola na quartier au bandit ko kota lo pang moko moko ah ba ya basi vous a bien na ka pour informer bino. Banda lelo, nga ina bo seke ndasu ba vivwa fete, bo luka basoswa mitakala, nga la komote ka basoswa mitakala, nga na tchango na primo kwa abordable, na tchango peut-être 4,800. Tango mouta yo kake, ah, na vivwa fre 6,000, ye 4,800 ou 5,000. Toso mbana, so pa mama Sarah, komote ka soso nanda kwa. Isili, o bandi bongo molo, 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 molo ti, batu ba komo kontakte yo, Bataba fête, ba comment contacter on a page. Madame, tu sais, on a besoin de 100 poulets. On a besoin de 200 poulets. Okomi mbalamon ko femme entrepreneur. Okomi nambongo ebele. Obanda eka na 100 dollars. Tu okani. Voilà. Deuxième business. Rentable avec 100 dollars. Babi nga bon banane. Les revendeurs de véhicules. Les coursiers. Ils ont mis ça la solité. Ils ont mis ça la mbongo. Yo mouto zo talanga. Omi vanda koloba ka. Ah!
pour apprendre sa business France, pour n'importe quel business, mon oncle est bas Dubaï, mon oncle est bas Chine. Oui, ok, bas Dubaï, bas Chine. Et ça m'a bêté. Mais bas toi, n'a pas bas qu'en Dubaï, na Chine. Tout n'a pas bango, bas banda wapi. Moi, premièrement, j'ai commencé avec. Nazaki revendeur. Nazaki commissionnaire, y'a ma sac. Il y a une maman au grand marché là-bas, à Zando, babenga kaye maman Angèle. Maman Angèle a grossiste et a ba sac na Zando. Excuse, et moi je prenais les photos. So kaye na ba sac et outi chine na bengi alo maman. Tinde la nga ba photo ba sac et koti. Na za ko zwa ka ba photo ba sac na ye. Na reposte ango, na partage na ba groupe, na partage ba lien. Mais à partager pas ba ami na ngagnons tout na partager ba tout so ba sepele na ngona zo ta commande à 10 personnes na lukimbo na ngambango na kina ke kosomba ya opesa nga so sac mo ezat peut-être $10 a opesa nga na $6 ayebi ki na na te kaka na za revendeur apesi nga ba sac na ye na te ki ye pinga $6 na za ba ote kango $13 nga sko na tiango $12, bat ba sobi donc bénéfice fois 2. Voilà comment j'ai gagné ma vie. Donc business c'est au dépendre ka to banana ba grand montant non. Nga la banda business revendeur. Alors, koza la revendeur et l'accité oza muta pasi eza musala ya Sony non. Soro lingo resur na business longola Sony, longola ba titre diplôme na yo, longola ki yo ki nga va. Kendo lukambo ou kendo goteka. Voilà. Le deuxième, c'est ça, revendeur de véhicules. Comment on comme un revendeur de véhicules avec $100? Pourquoi avec $100? Cherche-toi un bon téléphone. Somba connexion il y a un mois. Zala actif sur les réseaux sociaux. Kota na ba page, il y a ba commerce. Ba page yo ezalaka ba Zandu, nazoteka. Ba page oyo eza en mouvement ya ba vente. O koti na kata ba page wana. Parce que so koti na kata ba page wana omona, batu ba oteka biloko, batu ba oteka ba véhicule, batu ba oteka mapangu, ba oteka ba biloko kolia, batu ba oteka biloko nyons tout. Alors, comme yo za la domaine na ba véhicule, ozota la batu de bazo publie ba véhicule. En même temps, na ba business ne son entanga à la famille yo, il faut avoir une page Facebook. Il faut avoir une boutique en ligne. Tu n'as rien, pas de véhicule, pas de poulet, mais au moins, tu repostes le véhicule d'autrui là-bas. Ou récupérer le numéro et le bateau, vous allez poster. Ou soli na bango na privé na WhatsApp. Yom tozo te ka jip tel tel tel, ok. Nga na na client, nga na zo ya nae. To na zo luka. Aux yeux, ma photo, ma mi tout cas, on se poster. En même temps, quand tu postes, tu entres en contact, na ba kolope véhicule. Yos, osa la ba effort ya osa ni ya ko partager à mon na ba groupe WhatsApp na. Tu crées aussi des groupes, hein? Faut créer des groupes pour le business. Tu fais entrer les mondes. Tu vends tes trucs à l'intérieur. Ba tu so ba c'est au sommet de l'eau aux yeux, mon tout cas, au côté si na kati, aux yeux l'eau au bois qui na kati, ba client ba mon nana. Alors, si vous avez un client, vous avez un client qui a 10 000. Tant que vous avez un client, vous avez une voiture, c'est combien? 10 000 par exemple. $10,000, ok. Pourcentage pour la commission, c'est 20%. 20%, c'est-à-dire, c'est $2,000. Ouais, ouais. 20%, c'est 200 ou 2000. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. 200 ou 2000, je ne sais pas, mais 20% au moins, la commission pour le véhicule ici à Kinshasa, c'est 20%. Alors, on a 20%, on a. On gagne quand même. Mais au bandit business, avec un $100, mettre la connexion, parce que dans le bosson, ba téléphone, pour Nathan, Lelo, c'est tout le monde qui a un téléphone avec Internet. Donc, justement, pour la connexion, vous avez un abonnement, là, au micro ici dans ma groupe internet nous sommes dans ma groupe ma business dans ma groupe Facebook il y a business donc tu es là aux Oluka voilà et le troisième business qui est rentable
avec moins de 100 dollars, c'est l'immobilier. Nga la ka mwaso batu ba oseka ba, hey, commissionnaire, zala mwobali nekuta commissionnaire, ya ya, batu ba ngindara na immobilier, laisse-moi vous dire ça. Prenons un exemple. Les appartements ici à Gombe. Ce sont des choses que je vais faire plus tard, hein, dans quelques jours, non, kota na immobilier. Parce que, au coup, comme un appartement, moko, comme il y a un appartement ici, na, na ba niveau na nga awa, ba ote kango 450 000 dollars. Et si on a la commission et appartement, on a 450 000 dollars. Et arrivé qu'on a repartagé à nous. Tu as sombi appartement. Wana. Est-ce que vous, à la maison, là, vous qui me suivez là, vous pouvez faire le calcul. 450 000 dollars, le pourcentage de commissionnaire, c'est 20%. J'aurai combien? Il faut mettre en commentaire. Hein? J'aurai combien? Il ne faut pas blaguer avec l'immobilier. Il ne faut pas négliger l'immobilier. Et à la mbongo ebele. Et à la mbongo ebele, ça s'est mis 100 000 dollars na immobilier. On lui a donné cash pour comme pourcentage. Il y a des maisons de 10 millions ici, à Gombe. Alors, il ne faut pas blaguer d'air avec les commissionnaires, les démarcheurs, comme on dit à Brazzaville. Alors, l'immobilier aussi, ça fait partie de business rentable, moins de 100 dollars. Pourquoi moins de 100 dollars? Tu vas juste acheter la connexion, l'abonnement pour la connexion. Le même avec pour le véhicule. Au côté, il y a un groupe WhatsApp, il y a l'immobilier par-ci, par-là. Et au fur et à mesure, autant au bandango on a début, on me met les clients, bazo mesana, et après, on commis grand commissionnaire. Bah, commis, été. C'est comme ça. Alors, dans l'immobilier, na osenga ozalara sérieux. Na musala nyonso osa na vie. Oche sérieux, oche conscience en place, et ça va marcher. N'est-ce pas? Voilà, et les derniers, c'est les aliments. Quand je parle de l'ensemble des aliments, je vois les chips à banane, les croquettes, le crêpe, les yaourts, de l'eau, etc., etc. Donc, avec 100 dollars, tu peux rapidement commencer à vendre les chips à banane. Tu peux rapidement commencer à vendre les croquettes. Tu peux rapidement commencer à vendre de l'eau pure, de l'eau de sachet. Tu peux facilement vendre encore les yaourts. Ngalangi na maman moko na Victoire. C'est une malienne. Abandote kaba maziwa. Ba yaourts ba bengamu maziwa. Elle n'a même pas les pots. Elle vendait ça seulement avec les chassés 08. Elle met du sucre, Il a secoué. Et puis elle te donne 500, 1000 francs, 2000, 3000, 4500. Il y a de véhicules qui venaient acheter les yaourts, même de 10 000 francs. Pourquoi les gens venaient acheter ça? À ça, là, on a qualité à bien. Zaki n'a goût à bien. Malgré il n'y avait pas de spécial parce qu'il n'y avait pas des emballages. Il n'y avait pas de pot. Abandote kango, a yé na cantine, a yé a mouné, ne boye a 20 litres, y a ou plein. Abandiko te kana ba sacha zoti, azote ka bat batondaneli, azote ka zote ka. C'est moins de 100 dollars, tu peux vendre les yaou. Alors, na kata ba yaou, ba croquettes, ba chips, sa banane. Pote ka yango bien. Et là, on y a ce qu'on a produit, il faut faire un emballage. Il faut créer ton logo. Tu dois créer ton logo avec un emballage magnifique. Mais n'a pas de mouki. Au cas où tu n'es pas graphiste, tu as le logo. Même quand tu cherches à faire le business, là, même de véhicules, même des poulets, il faut avoir ton logo pour mettre dans ton page là-bas. Il faut avoir toujours ton logo. C'est très important.
C'est une identification dès aujourd'hui ou demain ou après-demain. Tu peux devenir un grand businesswoman. Tu peux devenir une grande entrepreneur. On ne sait pas. Donc, il faut toujours avoir les logos. Na business, il y a ce logo sala. Ce logo est spécialiste à poulet. Sala logo est à poulet. Bah, comment Sarah Soso? Ce qui Sarah poulet, je ne sais pas. Yaourt. Sala logo na yo sticker na yo bakomi yaourt tola. Sala bambalage na yo, ça coûte pas cher. Bamblo msu to banga ngona musika, mais quand tu crées ton logo avec un emballage parfait là, les gens vont respecter. Les gens vont respecter oh. Et quoi tirer batou. La différence attire les gens. Chaque fois que les canabans là, tout le monde a des chips, des bananes, des gamoura, des manjar. Mais yo so yele un emballage mou boe, na gou mou boe. Ou tchekane, bozang sa ra numéro de contact te na bambalage na bino nyonso. Faut pas oublier logo, numéro de contact. C'est très important. Bozang sa ramote. Donc il faut zana marque, non mou batou baye bake, na wileri wana na rond-point. Moi, si on a te kakaya ou na ezagou. Et puis propre. Il faut avoir un tablier là, très propre. Il faut vendre dans un coin ou dans un carrefour. Là où il y a plein de gens. Comme le rond-point Wileri, le rond-point Victoire, le rond-point Gambela, il y a la circulation. Tu portes ton tablier qui a un logo ici, ton logo. Avec un bonnet. Avec ton parasol, au cas où il fait chaud, avec les seaux de yaou. Au créer moi ba pour na yo ane zala na mo cherte na plastica, mutayo sombo chelier au pessier cuillère, mutayo somba batou ba comme une référence. Eh maman moi ça yaou na wideri wana a faim. Au banjo zo ba marché, ba grand marché, au fur et à mesure entreprise à yaou. Oh. Voilà les quatre business rentables avec 100 dollars que je vous avais promis pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous tous. Moutounia, si tu as besoin d'assistance, il y a la coach Sarah Tola pour le business, pour devenir une femme ou un homme entrepreneur. N'hésitez pas, appelez-moi par mon numéro. Je vous aime tous. Au revoir. À la prochaine émission. Bye bye.